Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Isra, le nécromancier, comme vous pouvez le voir. Alors, je me suis pris de la classe de Tomb Raider pour vous montrer un petit peu ses compétences. Une classe que j'apprécie beaucoup, puisque c'est une classe qui va invoquer des sortes de démons, si on veut, des minions, et qui vont combattre à notre place, tout simplement. Donc, hop, on va faire F7, et on va découvrir ensemble les compétences en appuyant sur C. On arrive aux informations du personnage. Donc, de temps à autre, en fait, on va avoir des âmes avec un maximum de 3 qui vont s'ajouter à notre personnage. À savoir que les attaques de base, l'attaque de base, en fait, elle rend un minimum de santé selon les dégâts. Donc ça, c'est le passif. Et l'attaque de base. Alors, le clic droit, on va invoquer des minions, comme ceci. Et avec l'attaque de base, on va pouvoir les soigner. Voilà, comme cela. Faut savoir un truc que je trouve vachement intéressant, c'est que dès qu'on a des minions, les ennemis en fait vont directement attaquer les minions et ne vont pas nous attaquer. Donc en fait, on a juste à faire quelques dommages à côté et à soigner nos minions. Je trouve ça plutôt sympa. Ils servent de tank et en même temps de DPS. Donc voilà. La première attaque, ensuite, c'est... je connais pas son nom. Bunchy's Bone. Donc, on va se transformer pendant une petite période de temps en sorte de fantôme. Et on va prendre moins 90% des dégâts. Moins 90% des dégâts. Et notre attaque de base affecte all enemies and minions around you. Ok, et nos attaques de base en fait, elles affectent tous les ennemis et les minions autour de nous. Et en fait, le truc c'est que cette forme de Banshee en fait, elle utilise l'énergie et ça descend très très vite. Donc ça dure peu de temps en fait. Pour le moment peut-être parce que je suis bas level, peut-être qu'à haut level ça dure un peu plus longtemps. Mais en tout cas ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on va aller voir pour vous montrer la dernière attaque, l'attaque ultime. Alors en fait c'est simple, ça va sacrifier nos squelettes, nos petits démons, pour créer un gros démon qui fait beaucoup plus de damage. Est-ce qu'on peut le soigner? Non, celui-là on peut pas le soigner. Et en fait, plus on a de démons, et plus le Goliath, ça s'appelle un Goliath, plus le Goliath sera fort. Donc voilà. Ce sera tout pour la petite présentation. C'est une mini présentation, juste pour voir un petit peu les attaques, etc. Et comme j'ai fait avec le Corsair, je vais vous faire du gameplay du Tomb Raider un peu plus haut level. Donc voilà, je vais monter un petit peu, je ferai des donjons, des forteresses, etc. Là, en ce moment, on a le club, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a pas mal de monde, hop. Voilà, il y a pas mal de monde qui a rejoint le club, donc n'hésitez pas vous aussi. On joue ensemble, on fait des donjons ensemble, etc. Donc voilà, les amis. C'est tout pour la petite présentation du Tomb Raider. Si j'ai plus d'informations, je ferai une autre vidéo pour vous montrer ça. What the fuck? Ok, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et restez positif. Ciao tout le monde!